Et coucou, on est lundi 22 mai. Alors oui, je vous ai zappé tout le week-end. Comment vous dire que je n'ai pas arrêté ce week-end? Je crois que la dernière fois que je vous avais pris, je crois que c'était vendredi, il me semble. Donc du coup, ben, samedi, j'ai pas arrêté. J'ai fait du ménage, des courses parce que le soir, j'avais du monde à manger. On s'est fait une raclette. Hein. Ben ouais, il faisait pas bon du tout. Franchement, ce mois de mai, c'est une catastrophe. Hein. Et dimanche, pareil, renettoyage maison. Et puis ben, l'après-midi, je suis allée au loto. Il y avait un super gros loto. Et un des derniers, d'ailleurs. Bon, mais j'ai pas gagné. Bon, ça fait passer la journée, mais bon, j'avais un mal de tête. Et aujourd'hui, c'est pareil, j'ai un mal de tête. Hein. Donc, du coup, j'ai profité d'être obligée d'aller à la pharmacie cet après-midi. Parce que j'ai le chien qui. On a fait venir le vétérinaire. Le chien avait une plaie aux pattes, hein, aux deux, derrière. Donc, une plus grosse que l'autre. Et en fait, il s'est surinfecté. D'un petit truc, en fait, à force de s'élécher, c'est surinfecté. Donc, heureusement, bon, le véto m'a fait toute une ordonnance. Heureusement, j'avais tout. Antibio, cortisone, tout le toutim, apparemment, il a un gros truc. Et puis en plus, on ne peut pas le toucher, donc ça va être compliqué pour le soigner. Et donc, du coup, il me manquait la bétadine. Donc, je suis allée à la pharmacie prendre la bétadine, et puis il me fallait vraiment quelque chose de plus fort que du doliprane. Le doliprane, ça ne me fait absolument rien quand j'ai mal à la tête. Les trucs codéinés, patenco, couféine, c'est pareil, ça ne me fait absolument rien. Et il ben, y a que l'ibuprofène, voilà, qui me soulage. Donc voilà, là je viens d'en prendre un puisque j'ai profité d'aller à la pharmacie. Du coup, j'ai pris une boîte. Hein. Voilà, j'en achète régulièrement et là c'est vrai que je n'en avais plus. Donc j'étais vraiment embêtée hein, parce qu'alors hier et aujourd'hui ça a été dur. Hein. Bon, enfin, donc là du coup, ben, ça va passer un peu plus vite, hein, j'espère. Hein. Comme ça, ce soir j'irai encore au lito, je suis crevée. Alors est-ce que c'est ce temps ou si j'en sais rien, je suis vraiment fatiguée, j'ai l'impression que j'avance pas. Quoi de nouveau? Oui, je voulais remercier une abonnée qui, voilà, qui m'a commandé une bougie et des fondants. Voilà, merci à toi, tu te reconnaîtras, parce que j'ai dit que je dirais un petit mot. Oui, alors je vous avais dit, je vais vous montrer mon stock. Alors, petit à petit, je ne vous montrerai pas tout d'un coup. Là, je vais vous montrer mon stock de crème jour. Et en même temps, on va trier. Parce que je crois que j'en ai des périmés. Ça m'énerve. Je supporte pas ça. Je supporte pas. Je supporte pas. Bref, on va le faire ensemble. Je crois qu'il y a des toners aussi en même temps. Enfin, j'ai tout mis au milieu parce que pour faire un peu de tri. Voilà. Après, normalement, ouais, il y a des trucs qu'il faudra que je jette, je pense. Bon, on va le regarder ensemble. Allez, on y va. C'est parti pour le tri. Allez, donc c'est parti pour le tri. Donc, ça, c'est toner que j'ai eu dans une collab avec YesStyle. J'en ai eu deux comme ça, un gros coffret et un petit. Donc ça c'est un toner. Bon mais ça j'en ai pour un moment. Donc ça c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ça aussi c'est une collab avec YesStyle. C'est un toner aussi. Donc ça par contre je ne me rappelle pas si je l'avais ouvert. Donc les petits trucs comme ça, je les laisse pour la coiffeuse parce que c'est petit. Et dans la salle de bain, je mets des formats plus gros. Bon mais ça c'est bon. Ça, c'est un sérum, si je ne me trompe pas, pareil de la même gamme. Hein. Pas si vous voyez bien. Ouais, un sérum à l'acide hyaluronique au riz noir. Enfin, je sais pas quoi. Black rice, ouais, au riz noir. Ça, c'est une collab aussi que j'ai eue il n'y a pas trop longtemps. Donc, ça, c'est bon. Ça aussi. Ça, c'est quoi? Caudalie, ça, je l'ai eu. Fluide matifiant hydratant. À tendance acnéique, pas vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Je l'ai eu dans une box. Non. Ben, du coup, je pense que je vais le mettre sur Vinted. Ouais, parce que ça va pas me servir. Alors, ça, c'est un sérum de chez Tony Moly. Alors, j'ai le même que m'avait offert Fanny de la chaîne Nini Beauty. Et celui-là, j'avais réussi à l'avoir. Chez Noz, voilà, et elle entre-temps elle m'avait envoyé un colis, mais je l'aime pas le sérum. Le sérum, je vous en parlerai bientôt dans mes produits terminés, mais je l'aime pas donc je voilà. C'est l'odeur qui me dérange. Et après, il est pas mal, hein. Ouais. Donc, du coup, ben, je vais le mettre sur Vinted aussi. J'ai pas mal de trucs à mettre, j'ai pas fini.
Alors ça, c'est la crème, par contre. La Synergie crème. Je vois pas de date de péremption. 12 mois, mais je ne l'ai pas ouverte. La crème, elle doit être sympa, la crème. Vous voyez? Je vois pas de date. Bon, ils disent 12 mois. Bon, mais ça va. Elle n'est pas ouverte du tout. Donc, ça, je peux garder. Ensuite, ça, j'avais acheté ça chez Noz. C'était des produits qui avaient... ouais, donc chez Noz, je l'ai dit. Mais c'était vendu surtout chez Marionneau. Et ça valait super le coup au niveau prix. Donc là, c'est un gel purifiant perfecteur et un soin régénérant anti-rides. Alors, le soin régénérant anti-rides, c'est un sérum. Donc ça, je vais le garder. Et par contre, le gel purifiant perfecteur, je ne sais pas trop ce que ça fait, ça. Appliqué matin et soir sur l'ensemble du visage ou localement sur les imperfections. Ouais, je sais pas d'imperfection, franchement, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Et ça, c'est pareil, 12 mois. Et il n'y a pas de date. Je vais regarder dans le tube. Et ça, ça valait super cher, ces produits-là. Je sais que j'avais regardé en même temps. Et je me suis dit, ben, j'avais pris ce qu'il y avait. Il n'y avait que deux sortes. Et ça valait super le coup. Bon, mais il est complètement sous blister, donc tant mieux. Il n'y a pas de date non plus, de nickel, ça aussi, sur Vinted. Ensuite, j'ai cette crème au citron, crème anti-brillance. Elle est très bien, très très bien. Et elle sent super bon le citron. Celle-là, elle est déjà ouverte. Donc par contre, il va falloir que je m'en serve, je pense, cet été. Après ma routine Caudalie, il va falloir que j'utilise celle-ci parce qu'après, elle va être foutue. Ah oui, et ça, ouais. Alors ça, je l'avais acheté, mais pas cette année du tout, ni l'année dernière, ou alors en début d'année dernière, chez Sephora. Vous voyez ces étiquettes de chez Sephora. Et c'est un trio de crèmes de chez Herborian. Est-ce que j'ai pas déjà utilisé un truc? Non. Il y a tout qui est neuf. Est-ce qu'il y a des dates? Franchement, vous connaissez Red Pepper. Moi, je sais pas, j'ai pas utilisé du tout. C'est des petits contenants. Masque soin concentrateur d'éclat. Et après, il y a quoi? Une CC crème soit illuminateur. Et après, bon, ça, c'est la CC crème machin truc illuminateur. Là, c'est tout petit. Hein, marqué, il faudrait que je le sorte. Hein. Et gel crème booster d'éclat. Ça, ça peut être bien pour l'été, ça. Parce que l'été, j'essaye de ne pas mettre de fond de teint. Bon, ben ça, je vais le sortir. Et de temps en temps, je vais m'en servir de ces deux trucs. Et celui-là, ben, je vais le garder dans les masques. Comment ça marche, ce masque? Masque en couche épaisse et sur peau sèche. Et laisser agir 10 à 15 minutes. Puis rincer à l'eau tiède. Deux fois par semaine. Ça, ouais, je vais le ranger avec mes masques que j'ai à la salle de bain. Bon, allez, ça, d'accord. Ça, tac. Sa poubelle. Ah, oh, j'en ai d'autres. Hein. J'ai du Kiko aussi. Crème hydratante protecteur de lumière bleue. Ça aussi, ça vient de chez Noz. Alors ça, je pense que c'était dans un swap. Mais cette crème, ouais, je veux la garder parce que je veux vraiment l'essayer. Alors, il n'y a pas de date. C'est bon, 6 mois au moment que ce soit ouvert. Et je vais voir s'il n'y a rien sur le bocal. J'espère que non. Parce que celle-là, j'ai vraiment envie de la tester. Non, il n'y a rien. Vous voyez, c'est celle-ci. Il n'y a rien, donc tant mieux. Donc ça, là aussi, je la garde. Tant que ce n'est pas ouvert, logiquement, ça ne reste rien. Hein. Donc ça, c'est trop cool. Ça aussi, je crois que c'était Nini qui me l'avait offert. Mais j'ai fait tellement de swaps. Alors ça, c'est moi qui me l'étais acheté, je crois, oui. Parce qu'il y a l'étiquette chez Sephora aussi. Ça me faisait très envie, cette marque-là, Origins. Alors là, pareil, est-ce qu'il y a des dates? C'était la gamme Ginseng. Ginseng. Je ne sais même pas le dire. Non, il n'y a rien. Voilà, vous aviez tout ça. Hein. Voilà, le kit complet. Et ça, pareil, j'ai acheté ça il y a... Pouf, je ne sais plus. C'est pas possible. Alors, celle-là, ben, je vais être obligée de m'en séparer, disons, pas en crème de jour ou de nuit. Je regrette vraiment de l'avoir gaspillée, celle-là. En plus, je l'avais payé une fortune. J'avais acheté ça sur Beauté Privée. Pouf, je suis dégoûtée. J'avais acheté un gel nettoyant qui n'était pas top, qui était assorti à ça. Et j'avais vraiment envie d'essayer cette crème. Ben, du coup, elle va passer en crème pour les pieds.
pour cet été. Voilà, je vais la basculer de tiroir, comme ça je comprendrai pourquoi. Si j'ai un tiroir là en bas, c'est pour les crèmes de jour et quelques toners. Et après, au-dessus, c'est crème main et crème pied. Ensuite, ça venait de ma copine, la Pétillante Cristal. C'est elle qui me l'avait acheté dans un swap. Donc, c'est une crème à l'acide hyaluronique. Donc, ça aussi, ça me botte bien. Je ne l'ai toujours pas utilisée. Il va falloir que j'y pense sérieusement. Donc, ça, c'est bon. 12 mois aussi. Il n'y a pas de date. Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est comme ça. Ça aussi, ça a l'air super bien comme produit. C'est un Facebook et tout et tout. Bon, mais il n'y a rien. Donc, nickel. Ça aussi, il faudra y penser sérieusement. Mais bon, elle n'est pas ouverte. Donc, déjà, ça laisse plus de temps, quoi. Ça, c'est une crème d'Yves Rocher. Alors, ça, j'ai envie trop de la tester. Celle-là, je ne vais pas m'en séparer. À moins que 03-2025. Ah, alléluia. Trop contente. Ensuite, une autre crème en partenariat avec YesStyle. Blueberry. Alors, celle-là, je pense que je l'ai déjà ouverte. Je l'avais testée, je crois, en vidéo. Ouais, c'est celle-ci. C'est la même que celle au citron, sauf qu'elle est à la myrtille. Oh là là, c'est une tuerie, cette crème aussi. Oh, j'ai trop peur de la gaspiller. Et ça, c'est une crème intensive. Donc, je pense que ça plus crème de nuit pour moi. Parce que j'ai déjà la peau à tendance un peu grasse. Donc, je pense que celle-là, je vais me le marquer. Je vais me mettre que c'est pour la nuit. Parce que pour la nuit, je n'en ai pas, presque pas. Bon, je me marquerai ça avec un stylo, je me mets de côté. Et après, qu'est-ce que j'ai? Ben après, il n'y a plus grand-chose. Hein. J'ai ça, j'avais eu dans une box beauté. La crème pas compliquée, hydratante et tonifiante. Relationship gone. My Little Beauty. Alors, j'avais bien aimé ben, déjà la concentration, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et puis, je sais pas si je me mets de trop près, après, vous y voyez rien. Et le petit pchit, là, c'est pratique, ça. Bon, du coup, ça va. Je pense que là aussi, je suis bon en temps. 12 mois, non, 6 mois quand c'est ouvert. Mais il n'y a pas de date. Bon, quand il n'y a pas de date, déjà, c'est bon, quoi. Ça, c'est quoi? Estée Lauder, c'est un sérum. Attendez, je ne vois rien. Soin teinté antioxydant. Et s'il est teinté, qu'est-ce que ça fout là? Ça, c'est comme. C'est comme. Oh purée, qu'est-ce que j'ai fait? Ben non. Oh, teinté. Ils se foutent du monde. Non, c'est pas teinté, ça. Autant pis, je vais le mettre sur ma peau. On va le regarder. Ils se foutent du monde. Non, soin teinté, tu parles. Teinté de quoi? Regardez. Teinté de quoi? Oh, peut-être. Oh, allez, léger. Ça fait léger, léger. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Parce que là, il y a la lumière derrière moi. Donc, je ne sais pas si, en fait, vous y voyez bien. Mais alors, c'est léger. Donc, ça, par contre, oui, je vais me le mettre pareil comme la crème herborien pour cet été. Ça, oui, c'est top pour cet été. Oups là, pardon pour le bruit. Et qu'est-ce qui me reste dans ce tiroir? Quelques crèmes encore. Tiens, oh là là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Dragon's Blood Radial Sculpting Gel. Oh, purée, mais c'est pas vrai. Tout ce que je touche, je tombe. Ça, je l'ai eu dans une box beauté. Contour. Volume. Ouais, d'accord, ouais. Bon. Ben, écoutez, ouais, ça donne un petit peu de pulpe à la peau. Ouais, j'avais eu ça dans une box, je sais pas laquelle. Bon, ça, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, hein, donc je vais pas m'en séparer. Hein. Crème de jour hydratante, ça aussi, dans une box, il n'y a pas trop longtemps. Green Barbess. C'est pas du tout ouvert, logiquement. Je regarde les dates. Non, c'est bon. Donc, ça, je garde. C'est pas des gros contenants. Donc, ça va. Et après, j'ai deux gammes donc de chez Polar, la Neige Éternelle. Toutes les autres, je m'en suis séparée. Et certaines, je les ai finies parce que j'en avais marre. Mais celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Et je pense qu'elle sera nickel pour cet hiver. Voilà, l'hiver prochain, en tout cas. Donc, logiquement. Je regarde les dates, mais c'est bon 12 mois et ça n'a pas été ouvert. Donc ça, c'est bon. Alors, donc du coup, ben, il n'y en a qu'une qui va passer en crème pour les pieds. Trois que je vais mettre sur Vinted. Une Caudalie, une Tony Moly et une Made with Care. C'est un gel purifiant perfecteur. Voilà, comme il a... J'ai pas d'imperfection. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Bon, bref.
Voilà, bon, bah, écoutez, du coup, je range voilà, ma petite pagaille. Je vais me mettre en premier ce que je dois utiliser. Donc, les crèmes, ça, c'est pour la nuit. Ça, on a le temps. Voilà, j'essaye d'un peu d'organiser parce que, franchement, là, je crois que je ne vais pas m'en souvenir après. Ça, c'est le truc de YesStyle. Donc, ça, on a le temps. Celle-là aussi, il faudra que je m'en serve aussi après l'autre, là, celle au citron. Pas trop comment je vais faire. Ma foi, on n'a qu'une peau, hein, donc ça commence à être un peu compliqué. Et j'ai horreur de gaspiller, ça vous savez. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc ça, ça, ça. Voilà, celle-là pour un truc. Et ça, ben, le gros boîtier, comme ça, en fait, j'en ai un énorme. Il y a des trucs dedans. Il y a des crèmes, mais bon, de toute façon, vu que j'ai le temps de l'utiliser. Ça, je le mets dedans. Voilà, ça ferme à peine. Et alors, vous allez voir mon stock de crème pour les mains. La CV, ça fait longtemps que je n'en ai pas mis. Je reconnais qu'en plus, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Oh purée. Mais en plus, je les aime toutes. Et je ne veux pas les vendre. Je les aime toutes. C'est un truc de fou. Hein. Je vais vous montrer. Vous allez pleurer. Voilà. L'étendue des dégâts. Alors, celle-là, ça fait un moment que je l'avais achetée. Attends, on ne voit rien. Donc, celle-là, ça fait un moment que je l'avais achetée. Je ne sais plus sur quoi. Beauté privée ou je ne sais plus quoi. Purée, mais c'est Tony Moly. Je ne l'ai pas acheté chez Noz. Hein. C'est bon, 12 mois. Ça n'a jamais été ouvert et je ne vois pas de date de péremption. Alors, c'est vraiment très sympa quand même. À chaque fois, je dis, tu pourrais l'offrir, machin. Mais non, parce que j'ai trop envie de me la garder. C'est vraiment très très sympa. Donc ça, voilà. Donc ça, je garde. Il va falloir que j'utilise. Hein. Voilà, comme j'ai dit, mais j'en ai tellement. Ça, c'est une crème très riche que j'ai eue dans une box. Elle est très très riche. Et franchement, je crois que je l'avais ouverte. Hein. Je l'avais ouverte. Expira 10-23. Donc ça, pour cette année, je vais me la mettre devant. Avec celle-là. Voilà, ces deux-là. Ces deux-là. Tac, et ça, après. Ça, c'est des crèmes que j'ai eues chez Noz. Et certaines qu'on m'a offert. Donc, voilà, il y en a pour les pieds et il y en a pour les mains. Donc, le monde à la Provence. J'ai acheté un truc récemment, là, de cette marque. Ah oui, c'était le masque visage chez Leclerc pendant les promos beauté. Voilà, moi, j'aime bien cette marque. Elle est pas mal. Bon, mais du coup, ça, je garde. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ce baume main aux chambres de chez Sephora. Purée, ça fait trois plombs que j'ai acheté ça aussi. Il n'y a pas de date. Hein. Je n'ai jamais essayé. Ça aussi, ça fait longtemps que j'ai ça. Il va falloir que je m'y mette. En plus, s'il y a le gloss au bout d'un moment, ça, c'est pas bon en plus. Marquez les gloss, hein, quand c'est pas ouvert, c'est pareil. Non, non, il n'y a rien. Purée, il n'y a pas de date. J'y crois pas. En plus, ça, c'est une bonne marque. Franchement, ça, il faut que je m'en serve rapidement. Je le mets devant. Il y a déjà quelque chose. C'est quoi ça? Poudu, ça c'est un truc de chez allons, Action. Ah, oh, c'est dur. Ah, mais c'est fermé. C'est une crème pour les pieds. Bon, mais je vais la garder, elle est fermée. Donc pour les pieds, là j'en ai deux déjà. J'ai celle-ci, celle-ci. Après, pouf, c'est tout ce qu'il y a. Je m'énerve moi-même. Évoluderme, ça c'est délice de karité, ça là doit être super bien. Peau sèche, donc celle-là elle expire en 2022. Bon, ben celle-là va passer pour les pieds. Voilà, bravo. Ça c'est déjà une crème pour les pieds de chez Yves Rocher. Je sais pas quand est-ce que j'avais acheté ça pour les pieds secs. Bon, ben il y en a, voilà, on manquera pas. Crème pied de nouveau, ça c'est un truc de chez Noz. Ça, c'est une crème main. Ça, c'est pareil, Fanny qui m'avait acheté ça. Donc, tout ça. Voilà, des crèmes pour les pieds. J'essaie de faire... mais j'ai comme un panier, c'est dommage. Une autre crème pour les pieds de chez Yves Rocher. Ma caniche, je ne vais pas manquer. Crème pour les mains encore à la banane. Mais décidément, vous allez dire, celle-là, elle est folle des bananes. Hein. Donc, ça, c'est quoi, crème pour les mains? Ah! Alors ça, j'ai cette crème pour le corps. Je suis en train de la terminer. C'est très, très bien. Très, très bonne marque. J'ai vraiment bien aimé.
Je crois qu'il me reste 2-3 utilisations à peine de cette crème. Et je ne me rappelais pas, j'avais acheté aussi la crème pour les mains, pour les ongles. Voilà, je pense que... Enfin, si vous l'avez, franchement, elle est top. Hein. Donc ça, là, ça c'est quoi? Oui, ça c'est une crème que j'ai eue avec YesStyle. J'en avais eu 4 ou 5, même... ouais, 5 ou 6 même. Elles sont toutes top. Hein. Plusieurs senteurs, mais toutes top. Hein. Franchement, il n'y avait rien à dire. Celle-là, va falloir que je l'utilise rapidement parce que c'est de chez Yves Rocher et c'est... une senteur qui date d'il y a, bouf, je ne sais plus quand, 10-23. Donc 10-23, celle-là aussi, ça va aller avec celle-ci, puisqu'elle paierait en même temps. Donc celle-là, je me les mets de côté. En fait, je pense que celle-là, je vais me les mettre sur le chevet, dans mon petit trou exprès, là. Comme ça, au moins, je sais qu'il faut que je les utilise. Voilà. Du coup, je n'ai pas besoin de piocher dans mon stock. Ensuite, celle-ci, je l'ai eue dans un calendrier de l'avant n'importe quoi, Gabi. Parce que j'ai vu avant, j'ai pensé à calendrier de l'avant. Mais pour vous dire, je suis épuisée et j'ai un mal de crâne incroyable encore. Je reprends. Donc, j'ai eu ça dans une box. Je ne sais pas où, quand, comment, quoi, pourquoi. Mais voilà. Et pas de date. Donc, on a le temps. Après, j'ai tout ce petit panier. Attendez, je fais un peu de place. Donc, ça, c'est pieds. Pieds, on va les mettre à gauche. Je vais essayer de mettre certains un peu plus devant que d'autres. Les petites crèmes, je les remettrai dans le panier. Donc là, et les grosses derrière. Bref, ça me casse les pieds. Je vais les enlever. Voilà. Bon. Donc du coup, le petit panier. Je fais tout tomber. Voilà. Donc les crèmes pour les pieds, je les mets au fond. Donc les... Voilà. Ça, ça ne va pas rentrer. Et ça là, voilà. Alors, donc, pareil, Frudia, vous voyez, j'en ai eu plusieurs. Celle-là, c'est aqua au litchi, on dirait, non? Ah non, c'est fleur de cactus. Ça, c'est sûr que ça doit super bien sentir, ça c'est clair. Ça, c'est The Body Shop. Alors, moi qui disais, ça m'écœure, la fraise, machin, tout ça. En tout cas, un gel douche, j'avais bien aimé. Et je l'ai eu en crème pour le corps aussi, je crois, et j'avais adoré. Donc là, je vois rien du tout. Non, je pense que c'est bon aussi 12 mois. Rituals, bon, mais ça, c'est Rituals. Ça, on n'en parle pas. C'est génial. Ça, c'était quoi? Tony Moly, c'était sûrement dans un coffret. Ça, je l'ai acheté sûrement chez Noz. Bon, ça, je garde. La crème de chez Yves Rocher au Monoeil, ouais, j'en ai deux. Donc ça, ben, je garde. Hein. Ça aussi, Tony Moly, Sweet Macaron, elle doit sentir trop bon, donc je la garde. Bon, après, c'est des petits formats, et c'est bien que pour... C'est vrai que pour le boulot, c'est vachement pratique. Je mets ça dans ma poche de la blouse, et c'est pratique, quoi, franchement. C'est que l'hiver, j'en mets beaucoup. Mure Gourmande, ça aussi, c'est une collection de là, hein, de chez Vrocher. Sienne, Rose Argan, la même gamme que celle de chez Yves Rocher à l'Argan. Rose et Argan, c'est exactement la même crème. J'avais les deux, j'avais testé, je vous en avais parlé il y a longtemps. Donc, je garde. Celle-ci, Body Shop, beurre de karité et à la mangue. Je garde les deux. J'adore, j'adore. Alors, au pamplemousse, non, je vais m'en séparer. Je vais la mettre sur Vintage, j'ai horreur de cette odeur. Yves Rocher, noix de coco, je pense que je vais l'aimer. Je la garde. Merci Andy, crème main hydratante unicorne. Ça, je ne sais pas, je verrai. Pareil, Sienne, crème riche à l'argan. Ça sent trop trop bon, franchement. Celle-ci, je l'ai déjà testée. Elle est très très bien. Et en plus, celle-là, elle, est, elle calme, elle apaise, elle protège. Elle est très très bien de The Body Shop. Et je crois que j'avais eu un format comme ça aussi pour le corps. Eh bien, c'était très bien. Et le dernier encore, ben, crème main, le monde à la Provence hein, et senteur fleur de tiare. Donc, crème pour les mains, je ne suis pas en manque, comme vous pouvez constater. Mais le pire, c'est que je veux toutes les garder. Et surtout, j'adore les petits formats. Je n'achèterai plus, hein, je vous l'ai déjà dit, je n'achèterai plus de grands formats. Non, ça, je veux le mettre de côté pour les mettre sur le chevet. Je n'achèterai plus de grands formats, mais en tout, hein, en tout, parce que on met trop longtemps à les utiliser et moi personnellement, je me lasse.
Je range en même temps, vous inquiétez pas. Je me lasse, ça me gonfle. Et donc, du coup, voilà. Et puis, c'est trop long. Et puis, j'aime bien les petits formats, voilà, puisque ça ne prend pas de place. C'est rapide. On a l'impression qu'on se sépare plus rapidement des choses. Voilà. Donc, du coup, ça, je vais le mettre sur mon chevet pour me dire que ce sont des crèmes à utiliser avant les autres. Enfin, en tout cas, avant ce qu'il y a là-dedans. Et pour les pieds cet été, ben, je tournerai avec ce que j'ai là-dedans. Celle-là en premier, les Voluderme. Et etc. J'ai de quoi faire. Pouf, j'ai de quoi faire. Bon, bah écoutez, sur ce, je suis partie comme un toutou. Je suis HS complet, vous le voyez à ma tête. Je vais aller me prendre une bonne douche. Je vais bien me laver la tête. De me masser, peut-être, ça va me faire du bien aussi. On va voir, j'ai une coupe de folle. Aujourd'hui, je ne me suis pas coiffée. Je me suis mis une pince que j'ai achetée sur AliExpress. Vous savez, celle que je vous ai dit, là, avec le cœur qui est tout en peluche. Celle-ci, elle tient trop, trop bien. Mais vraiment, elle est top. Elle est vraiment sympa, vous voyez. Elle tient vraiment bien, franchement. Voilà, donc j'ai mis ça. Je vais l'enlever parce que ça aussi, après trop longtemps, ça me donne mal à la tête. Hein. Quand je suis comme ça, c'est pas bon. Faut pas que je le garde trop longtemps. Voilà, donc écoutez, je vais finir de ranger vite fait ça. Et puis, ben, écoutez, je pense qu'on se reprendra. Je vous reprendrai demain matin. Si j'ai des trucs à vous dire. Hein. Parce que demain, il faut que je fasse des fondants. Ouais, et puis que je commence à utiliser ma machine. Ah non, demain, il faut que je fasse des étiquettes pour un pot de bougies. Et quoi? Je ne sais plus. Ah oui, il faut que j'imprime des papiers pour les conditions d'utilisation des bougies. Et faire les étiquettes et les stickers pour les fondants. Mais je n'ai pas reçu l'emballage, mais ce n'est pas grave. Je les mettrai dans un pochon en organza pour l'instant. J'ai commandé des petits sachets plastifiés. Mais bon, je trouverai une solution. Je verrai où je les mettrai sur un petit carton. Bon, bref. Donc, ouais, j'ai encore plein de choses à faire, mais je sais que demain, je ne vais pas y arriver. C'est sûr et certain. Je ne vais pas y arriver. Déjà, cet après-midi, je devais faire ça. Et puis, bon, à cause du veto, machin, à la pharmacie, tout ce bazar, le temps qu'elle reste... ben voilà, j'ai perdu l'après-midi en fait. Voilà, j'avais des trucs à faire, mais je suis désespérée. Pourquoi les journées font que 24 heures? Mais je suis sûre que si les journées faisaient 48 heures, ça serait pareil. J'aurais pas le temps quand même. C'est fou quand même. Des fois, je me dis, mais un jour, tu vas faire un burn-out. Heureusement, je suis organisée, mais des fois, franchement, c'est lourd quoi. J'ai fini à 13h. Il me fallait aller chercher un produit particulier bon, dans un magasin. Après, j'avais deux courses à faire. Mais bon, il faut aller dans le magasin, faire les courses. Il y a du monde, passer à la caisse. Hein. Il me fallait aller poser des colis. Des mondiales relais et un relais colis. Donc, évidemment, c'est pas au même endroit. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce que j'avais à faire hein? Je ne sais plus, et voilà, et rentrer, manger, et voilà, j'ai mangé, c'est 2h30 de l'après-midi, quoi. Bon, bref, écoutez, hein, c'est comme ça, là, je vais rien faire, à part me doucher et me poser un petit moment, parce qu'après, évidemment, ça sera déjà 19h, sûrement, vous connaissez le train-train, allez, on fait à manger, on prépare les affaires pour le lendemain, la fille est complètement blasée. Bon, écoutez, de toute façon, hein, vaut mieux le dire hein, et le faire hein, que ne pas pouvoir le dire et ne pas être là pour le faire. Bref, sur ce, je vais essayer de me motiver. Je vais essayer d'avancer un peu sur ma lecture. Donc, j'ai fini l'été deux fois. Hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de Franck Tillies. Et donc là, j'ai attaqué Labyrinthe. Ma foi, ça démarre pas trop mal. Bon, c'est moyen. Pour le début, c'est moyen. Ça m'a moins cramponné qu'il était deux fois. Le deuxième tome. Bon, à voir. Je continue ma lecture. Je suis à 100 pages déjà. Mais ouais, j'avance pas. Je suis crevée le soir. Et puis, je suis très, très fatiguée. Le soir, je n'arrive pas à tenir. Donc, je pense que ce soir, ça va être la même. Mais bon, écoutez. Il n'y a pas le feu. On fait ce qu'on peut. Et surtout, lire avec plaisir. Allez, sur ce, ben, peut-être à demain. Sinon, à mercredi. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Coucou. On est... mardi 23 mai. Alors, bah écoutez, ce matin, j'avais prévu plein de choses, mais je pense que je ne vais pas faire tout ce que je voulais.
Je me suis très apprêtée. Je vais faire quelques photos pour Instagram, pour la société avec qui j'ai une collab pour les sacs. Voilà, je vous mettrai le nom ici. Donc voilà, il me fallait faire des photos pour Instagram et peut-être TikTok, je vais voir. Voilà, donc je vais essayer de me prendre en photo toute seule. Ça va être très compliqué. Il fait très très beau dehors. Donc je pense que je vais faire des photos dehors. Et voilà, surtout le sac, voilà, de bien le mettre en visu. Il est vraiment très 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 sympa. C'est vrai qu'ils m'ont demandé de faire une autre collab avec eux. J'ai dit oui. Mais là, ouais, il aurait fallu peut-être que je prenne plus un sac été. Mais bon, franchement, je vais m'en servir, c'est clair. Il est vraiment trop trop bien. Voilà, donc c'était mon petit sac à fourrure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous mettrai des photos. Si j'arrive à faire des photos sympas, je vous les mettrai aussi. Donc là, je vais me faire deux ongles parce que j'en ai deux, dont un qui s'était cassé, enfin coupé à ras avec le gel. Je me suis accrochée la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, il m'a fallu à la ponceuse enlever tout le gel. Donc, à la ponceuse, ça va très bien parce que ça ne fait pas mal. Tandis qu'à la lime, oui. Donc, il était vraiment à ras et arraché jusqu'au milieu de l'ongle. Donc là, je l'ai laissé tranquille. Et voilà, il a repoussé tranquille déjà. Franchement, ça va. Donc du coup, ben, je vais me refaire un rallongement parce que voilà, c'est pas très très joli. Et puis, j'ai encore les ongles que j'avais fait avec Jennifer donc pour la formation. Ouais, il y en a que j'ai encore, donc il va falloir que petit à petit, ben, je les rattrape. Mais bon, en une journée, enfin, j'ai pas le temps, quoi. Donc je vais en faire un par-ci par-là cette semaine. Voilà, donc je vais faire les ongles. Je vais vous montrer, mais très très rapidement, hein, quelques étapes. Voilà, je filmerai un petit peu. Voilà, mais là, c'est vrai que ça va durer trop longtemps. Hein, le vlog, voilà, je vais pas le faire durer non plus 3 heures. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc je vous montrerai quelques étapes petit à petit. Je filmerai un petit peu. Donc ensuite, bah écoutez, donc hier, je suis passée vite fait chez Action, j'ai acheté 2-3 trucs, j'ai acheté du sel pour la vaisselle. Au niveau loisirs créa, bah, il n'y avait pas grand-chose, je suis déçue, déçue. Il faudrait que j'aille dans le gros, qui a l'autre ville à côté de chez moi. Hein. Vraiment, il n'y a rien dans celui là où je travaille, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment merdique, hein. Je suis désolée du terme. Il me faut passer la commande pour tous mes gels. Voilà tout ce que je dois acheter pour vraiment lancer l'activité de prothésiste ongulaire, pour avoir vraiment de bons, bons produits pour mes clientes. Donc là, je vais m'y mettre aujourd'hui ou demain. Je vais voir, je pense plutôt demain. Donc ça aussi, je vous montrerai ce que je recevrai. Quoi vous dire de plus? Je vous montrerai plus tard, donc dans le prochain vlog, tout le stock gel douche, machin, parce que là, ce vlog, il va durer trop, trop longtemps. Mais je vois que le dernier, vous avez bien aimé. Le dernier, vous avez bien aimé. Ben, il y avait ben, le partenariat du sac, il y avait un petit haul Action. Bon, ça, c'est de suite, ça vous émoustille. Bon, tant mieux. Je suis très, très contente. On continue un petit peu à monter au niveau des abonnés, mais c'est surtout moi le nombre de vues qui m'intéresse. Merci hein, de vous abonner. Vraiment, j'insiste encore, je vous dis encore merci. La semaine prochaine. Ça va faire donc, non, ou en fin de semaine, ça va faire 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, très, très contente aussi. Je n'ai pas préparé de concours. Je vais voir. Je n'ai pas eu le temps de m'y pencher, mais je pense faire un petit concours quand même pour vous remercier. Voilà. Bon, écoutez, donc là, je vais faire les ongles. Je vous montre un petit peu. Allez, je m'y mets. C'est parti. Alors, le chablon est placé. Hein. Ça, à chaque fois, hein, c'est toujours un peu compliqué. Bon, ceux que j'ai sont nus. Donc, je vais en racheter d'autres. Ils seront beaucoup mieux. Exactement comme dans la formation. Donc là, je vais mettre d'abord une couche de base sur l'ongle. Je n'ai pas sorti la lampe à UV. Alors, la lampe à UV, ce n'est pas une lampe à UV. C'est une lampe LED. Les lampes UV, j'ai arrêté. Parce que les lampes LED, ça chauffe beaucoup plus vite. Hein. Et c'est moins dangereux pour la peau, puisque bon, les UV, ben, c'est des UV, hein, voilà. Alors, donc,
j'ai pris une base classique. Alors donc, quand le chablon est placé, on met du nail prep que je n'ai plus. Je ne sais pas où je l'ai mis, je ne sais pas où il est passé. Et ensuite, on met du primer. Donc là, je vais mettre que du primer parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, il faut que j'en achète aussi. Ça va faire partie de la liste. Donc ça, c'est très, très peu. On laisse sécher quelques secondes. Et après, je mettrai de la base. Voilà, de la base classique. Fine couche que je vais mettre donc à ma lampe LED. Donc lampe LED parce que UV c'est pas bon pour, voilà, pour la peau. Donc voilà, j'ai une lampe LED. Donc là voilà, je n'oublie pas un seul endroit sur l'ongle. Si je ne vois pas bien, je prends un pinceau très très fin et donc je vais sur les coins repasser un petit peu de gel. Donc. Et ça c'est très très important après pour les repousser. Évidemment, au plus près possible des cuticules. Voilà. Et puis je mets à chauffer. Ensuite, je prends mon gel. Et donc je vais faire deux passages. D'abord, je vais faire la première couche, donc à ce niveau-là de l'ongle, donc pour faire le rallongement. Et après, je ferai le dessus de l'ongle pour faire le bombé. Voilà, donc je prends une bonne quantité de gel que je vais placer donc sur l'ongle, au bout de l'ongle. Donc moins on travaille le gel, mieux c'est. J'ai appris à mes dépens en formation. Donc travaillez très doucement avec la pointe. Non plus, donc voilà, il me tarde de recevoir vraiment les bons produits. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, mais bon, allez, donc pareil, je catalyse et après je vais enlever le chablon et je remettrai à chauffer le dessous, voilà, pour être sûr que ça fait que ça a bien catalysé. Voilà, j'ai mis beaucoup de gel, donc du coup ça chauffe un petit peu, donc on ressort la main. Et on la remet, voilà. Alors donc là, j'ai fait la forme de l'ongle, voilà, j'ai enlevé tout le chablon, voilà, j'ai fait ma forme. Je vais essayer de faire un baby boomer.
J'ai passé une base déjà très très rose claire, mais très très fine. Et je vais essayer donc de faire un baby boomer. Bon, ça voilà, c'est compliqué. Mais j'essaye. Voilà. Je me dis que si j'essaye pas, ben, j'arrive pas forcément. Donc voilà, je vais tenter de faire un baby boomer. Et sur l'autre ongle, eh bien, je ferai une French. Voilà. Donc je fais à l'éponge. Allez, donc bon, je tapote. Hein. Je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Bon, mais ça y est, j'ai fait ma French sur celui-ci. Voilà, French en amande. Bon, c'est pas le top top encore, mais bon, faut s'améliorer. Et là, j'ai fait un semblant de baby boomer. Bon, c'est pas top non plus. C'est vraiment difficile, le baby boomer, franchement. Je pense que peut-être un jour, je me renseignerai, je ferai une formation spéciale baby boomer. Je crois que ça prend une journée. Je sais pas, on verra. Mais bon, c'est vrai que c'est super difficile. C'est pas top. Ça y est, donc j'ai fini ma séance manucure. Voilà, je pouvais faire que deux ongles hein, parce que les autres, franchement, j'ai pas le temps de les faire. On verra dans la semaine pour les suivants. Donc là, ça y est, j'ai fait les photos Insta dehors. Bon, c'est pas top, hein, je suis pas trop trop forte pour prendre des photos. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on voit bien le sac. Quoi vous dire de plus? J'ai regardé Marie au premier regard. Donc Pascal et Jessica, c'est vraiment un gros gros dommage. Je ne sais pas si vous le regardez, je ne veux pas vous spoiler. Donc si vous le regardez, vous n'avez pas vu l'épisode de lundi, ben ne coûtez plus. Voilà. Donc ouais, je pensais que franchement, ils allaient vraiment tomber amoureux l'un de l'autre. Alors est-ce que peut-être le fait de ne plus être mariés, puisque là ils vont divorcer, est-ce que ça va les libérer peut-être un petit peu plus? Je sais pas. Mais vraiment, c'est trop trop dommage, eux, vraiment, c'est bon, comme ça. Et ensuite, Léa et je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui travaille à la plage, là. Il est très, très gentil. Alex, Manuel, je ne sais plus. Emmanuel, je ne sais plus. Manuel, peut-être. Alors, eux, ben, c'est bien. C'est très, très bien. Bon, ben, voilà, il ne faut pas qu'ils se prennent la tête, déjà, avec la routine ou pas. Hein. Voilà, il faut laisser le temps se faire. Hein. Mais eux, vraiment, c'est super. Après, Fabrice et... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ben écoutez, franchement, eux, ils vont se prendre la tête pour les allers-retours, ça c'est sûr. Ça risque d'être compliqué. Bon, à voir. Et ensuite, donc ceux qui n'ont pas pu se marier, puisque Laure, c'est ça, je crois que c'est Laure, a fait un AVC. Mais bon, ce qui est super, c'est que vraiment pour l'émission, ben, ils les ont laissé se rencontrer. C'est vraiment top. Et puis bon, au premier abord, voilà, ça a l'air d'être bien. Ça a l'air de matcher déjà d'entrer un petit peu. Donc voilà, on leur souhaite plein plein de bonheur et surtout ben, que ça matche, que ça marche. Voilà, donc je me suis régalée. Franchement, bon, déçue par les autres, Pascal et Jessica, sur lesquels, bon, mais voilà, ça pas, ils sont pas tombés amoureux. Maureen, celle qui vient de se marier, elle est hyper stressée. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Je sais pas. Elle, je pense que ça va pas aller. Ça va pas aller. Bon, le pauvre garçon, hein, pourtant, il a l'air super. Bon, on verra. Mais elle, je pense que ça va pas gazer, comme on dit. Voilà, voilà. Donc, il me tarde la semaine prochaine pour voir la suite. Hein. Ben, hier, j'ai presque pas avancé non plus de mon bouquin, hein, Le Labyrinthe, donc, de Franck Tillies. Je vais, je pense, enfin, il faut que je le termine. D'ici ce week-end, il faut qu'il soit fini. Parce qu'à partir du 1er juin jusqu'à la fin de l'été, donc jusqu'à fin août, je vais participer à un challenge. Donc, c'est Céline. Oui, Céline. Il est bien ce livre. Donc, il fait des vidéos YouTube, qui est sur Twitch. Elle a une page Instagram. Et voilà, donc, elle a lancé un challenge pour cet été, donc à partir du 1er juin. En fait, il faut qu'on prévoie le nombre de livres que nous allons lire en 3 mois. Donc, vous avez la taille XXL, c'est, je ne sais plus, 30 et quelques livres. XL, c'est 24. M ou L, je ne sais plus, c'est 24, 12. Enfin, voilà, il y a plusieurs paliers. Donc, moi, je sais que 12, je vais les lire en 3 mois.
Mais plus, je pense pas y arriver. Alors, est-ce que j'ai les yeux plus gros que le ventre ou est-ce que je vais quand même me cantonner à mes 12 livres en sachant que ça, oui, je vais pouvoir les lire. Alors, voilà. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire en sachant que j'ai quand même de gros bouquins à lire, style les Karen Gable. J'en ai deux qui sont très gros. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, donc je ne sais pas. Là, ça va commencer très bientôt. Je suis motivée. Donc, si ça vous tente, voilà, il faut mettre le hashtag Pay Ton Slip. Ouais, c'est rigolo. Elle est géniale, cette fille. Moi, je l'adore. Elle donne vraiment son avis sur les bouquins. Elle reçoit beaucoup de services presse, hein. Mais elle est sympa, elle est naturelle. J'adore. J'adore, j'adore. Puis en plus, elle adore les thrillers aussi. Donc, c'est tout à fait. Voilà, elle lit un peu de tout aussi. Mais voilà, on est un peu pareil sur les bouquins, tout ça. Donc, je l'adore. Elle est très sympa. Donc, voilà, si ça vous tente hein, de participer à ce challenge, allez voir Il est bien ce livre. Donc, soit sur Insta, soit ben, sur YouTube ou Twitch si vous avez une chaîne ou si vous regardez Twitch. Moi, j'y vais pas trop parce que je comprends rien. Je sais pas trop comment ça marche. Voilà, et donc vous aurez le détail du challenge si ça vous tente. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye. Et coucou, on est mercredi 24, il me semble, oui. Alors, ben écoutez, on va clôturer ce vlog. Quoi vous dire? Ben j'ai fait une petite commande sur Temu, je ne sais pas comment on dit, le nouveau site. Qui ressemble beaucoup à AliExpress. Voilà, donc j'ai fait une commande de pas mal de choses au niveau loisirs créatifs et puis bon, pour ma boutique aussi. Voilà, pourquoi pas tester un petit peu de matériel. Voilà, pour la Cricut aussi, j'ai trouvé deux, trois trucs. Bon, on verra ce que ça donne. Donc, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Apparemment, ça arrive assez vite, hein. En tout cas plus vite que sur AliExpress. Donc, je vous dirai ça aussi. Ensuite, j'ai fait une petite commande aussi ben, pour faire d'autres bougies. Voilà, il me fallait d'autres contenants. Pas des contenants, pardon, de la cire. Et qu'est-ce qu'il me fallait? Oui, il me fallait des parfums. Voilà, j'ai pris des senteurs, Monoï, Pêche. Et je ne sais plus quoi. Cerise, je crois que j'avais pris. Ouais. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à bosser encore quand je vais recevoir tout ça, parce que je ferai d'autres bougies. Je vais commencer à faire les bougies gourmandes après, dès que j'aurai ça. Quoi vous dire de plus? Ben écoutez, là, je vais me mettre à faire quelques étiquettes pour les flacons de bougies. Je vais y arriver, je ne sais plus. Je me suis posée une demi-heure, je suis crevée. Et puis, ben, je vais peut-être essayer de faire d'autres fondants parfumés. Voilà. Je vais faire un petit live aussi Facebook, Insta. Ouais, je vais essayer. Je vais présenter donc tout ce que j'ai encore à vendre, hein, tout ce qui me reste sur la boutique. Présenter un petit peu plus facilement peut-être les choses. Voilà, bon, ben, je vais essayer en tout cas. Si j'arrive pas à faire un live, ben, je ferai comme une story et puis ça ira quoi. Hein. Voilà, il faudra que je m'y fasse. Toutes ces petites choses, réseaux sociaux, etc., c'est pas forcément évident pour moi. Il y a des choses que je gère un peu, mais d'autres pas trop trop. Bon, bah écoutez, avec ce beau soleil, moi je vais bosser, hein, même si je travaille pas cet après-midi, mais je vais bosser pour moi quand même. Hein. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis merci encore à tous et à toutes d'être là, d'avoir suivi ce vlog, de me suivre, hein, de vous abonner, de liker et puis de me laisser des commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye bye!